école plutôt active, dans le sens où il y a des événements plutôt importants qui s'y déroulent, comme les puces de Lulu ou les puces typo. J'ai fait un BTS design graphique option print entre 2017 et 2019, puis la licence designer en communication graphique éco-responsable option motion design l'an dernier. Et aujourd'hui, je suis en première année de master direction de création design graphique. Principalement pour l'alternance. Après, en choisissant le campus, je savais que je pouvais faire le parcours supérieur que j'avais prévu. Et puis, c'est une école plutôt active, dans le sens où il y a des événements plutôt importants qui s'y déroulent, comme les puces de Lulu ou les puces typo. Et on a aussi la chance d'avoir du beau monde qui passe en conférence. Et ça, c'est plutôt cool, en fait. L'année est divisée en deux semestres. Donc un premier semestre dans lequel on va étudier l'analyse filmique, la technique rédactionnelle et la scénologie, mais où on va surtout apprendre en fait les bases techniques des logiciels de motion et de montage vidéo, et aussi avoir des cours de prise de vue et de prise de son. Et un second semestre qui est axé sur notre projet de fin d'année avec un très bon accompagnement de la part des formateurs en motion, mais aussi en droit, en anglais et en marketing. Sans compter que durant l'année, du coup, il y a deux, trois workshops d'une semaine qui sont organisés. Ce que j'ai préféré, c'est clairement le projet de fin d'année, puisque devoir réaliser un projet de A à Z que l'on a nous-mêmes choisi et de le voir évoluer sur plusieurs mois, c'était assez satisfaisant. Et enfin, de présenter ce projet à un jury de professionnels. D'expliquer son travail et ses choix, c'est formateur. Parce que l'alternance, c'est simplement la meilleure façon d'apprendre, puisque de devoir se confronter à un point de vue de ce qu'on apprend en entreprise et du point de vue de ce qu'on apprend à l'école, c'est nécessaire pour un métier, puisque c'est deux façons d'apprendre qui sont complémentaires au final. Si vous hésitez, tentez quand même l'expérience, puisque bah, déjà toute expérience est bonne à prendre. Et puis, dans le cadre du DCGE, on apprend beaucoup de choses. C'est une formation qui est faite pour les curieux.